Veux-tu que je te fasse faire une visite de l'Orada? Alors ça, c'est les fresques que j'ai fait faire par Fred Touch, un Indien américain qui a fait les fresques dans la maison de Mickey Rourke également. J'ai fait faire ça d'après la scène de chasse de Danse avec les loups. Ça, c'est ce que j'ai ramené d'ailleurs de notre voyage, qu'on a fait à travers les États-Unis, de Miami à Los Angeles en moto. On a acheté ça à Santa Fe. Ça, c'est censé être moi. Je ne me reconnais pas trop, mais enfin, c'est censé. Quand je donne une soirée, une fête avec des amis, etc., on fait ça ici, il y a le bar, etc. On met les tables un peu partout. Ce patio est bien parce que quand il y a du mistral ou du vent d'est, qui a énormément de vent, c'est un endroit protégé de la maison. Bon, alors là, c'est le couloir avec toutes les chambres d'amis. Une, deux, trois, quatre, avec le studio, ça fait cinq chambres d'amis. Pour ça, c'est le couloir. En bas, c'est la salle de sport, mais ça, on ira la voir plus tard. En haut, c'est ma chambre. Et ça, il y a moi et ma fiancée qui a l'endroit d'y aller. Là, c'est la chambre de ma fille, Laura. Là, c'est le salon. Là. Là, c'est la chambre vidéo. Avec télé et grand écran. Où tout le monde s'allonge d'ailleurs, partout. Bon, les toilettes, je ne vais pas vous faire visiter quand même. Passez par là. Bon, je vais quand même vous montrer les toilettes. Alors c'est toutes les défaillances. Je les ai commandées, je les ai fait faire spécialement à Salerne, qui est en avant du midi, qui n'est pas loin de Saint-Tropez d'ailleurs. Là c'est la salle à manger pour l'hiver. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a des aliens partout. Là c'est la cuisine avec Gérard. Alors c'est Gérard qui a la responsabilité de la maison ainsi que Jeannette. Voilà. Gérard et Jeannette. Lui c'est Dominique, Nick. Garçon précieux. Oui. Et Rémi, notre cuisinier. Bonjour. Bonjour. Très bon cuisinier, je vous le recommande. Ce soir on a droit à des pommes de terre sarladaises. Sarladaises, pas salard. Hein. Comment vous dites? Salardaise. Pas salardaise, ça... Sarla. Sarla de... Des. Voilà. Et bravo, et Cassandra. Là, c'est un petit coin le soir, on se recouvre pour jouer aux cartes ou pour boire un verre. Là, il manque une table aussi, c'est un petit coin sympa pour voir le coucher de le soleil. Là, c'est un jacuzzi. Avec l'eau qui tombe en cascade dans la piscine. Et il y a un bar en dessous de la cascade. Alors, très important dans le midi, le terrain de pétanque. C'est un terrain de pétanque que j'ai fait faire aux dimensions de compétition. Donc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la pétanque. Ça joue en 13 points. Si on ne marque pas un point, qu'on a 0 et que l'équipe adverse a fait 13, eh bien, on est Fanny. Et quand elle est Fanny, ben c'est un rituel, on est obligé d'embraser le cul de Fanny. Voilà. Sauce faite. Alors, ça, tout ça, c'est mon appartement, là-haut. Alors, il y a beaucoup d'arbres. Hein. Faut faire attention.
vous montre la maison comme si je voulais la vendre, je vous signale que je suis pas vendeur. Pourtant.